guy. She doing it. I took her. Voilà, j'ai ma femme et deux enfants, donc j'ai une situation vraiment compliquée parce que depuis que ce touriste ne vient plus, je n'ai pas de quoi à faire satisfaire mes besoins, mes besoins quotidiens surtout. Du vu que ils ont stoppé de venir, donc je suis obligé de chercher des petits travaux à côté pour pouvoir faire vivre ma famille, mais un travail qui n'a pas de bénéfice du tout. J'ai été déporté en 1591. Nous avons apporté extrémisme de nos cœurs et de nos voix. Mone guidi wala andi kaku yende gu yoro nka guna ceri haje i no se kado e awana guidi kuna comme ça mo i faba i deme se haye bubo mo hayr mo nda ya jogi wirmu mo koy ndaga yoronka barbari i banda ko wo ku yoronka dangi banda me mo ngunda saadi saadi na moyda ina chafu saadi tubarikalla hayata yoro duga chimmi chimmi me jas bara moyda ta kur ma irga fayti da moyda fos bara Voilà, cette maison a été abritée par la mairie de Tombouctou en 2008. Ils ont construit à peu près 12 chambres à l'intérieur avec deux toilettes, un bar à l'intérieur, une terrasse pour passer la nuit. Avec les événements de 2012, la maison était vraiment délabrée. Il n'y avait plus rien. Tout a été dans l'ordre et la grande pluie a tout cassé. Et aujourd'hui, nous regrettons beaucoup de la fermeture de cette maison. Tout ça, ça fait partie des facteurs. C'est parce qu'il n'y a pas de touristes à Tombouctou. Le 90% de la population aujourd'hui, ils sont l'inconvénient du tourisme aujourd'hui. Parce que quand il y a des touristes qui viennent à Tombouctou, tout le monde tire profit. Et par exemple, l'artisan, il confectionne des chaussures qu'il vend aux touristes. Le tailleur, il fait les boubous traditionnels de Tombouctou qu'il vend pour les touristes. Le boucher, il vend la viande pour les hôteliers qu'il va vendre aux touristes. Le transporteur, il fait louer sa voiture. Terre là est foutue. Les gens sont dispersés. D'autres sont devenus des cuisiniers,